Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo qui a été méga demandée, à savoir la vidéo tuto combattant. On va voir ensemble comment on fait un aquarium à combattant parfait à la mode Pascal Aquarium Naturel, donc avec un petit côté le plus possible naturel. Là, le matériel il vient du site Cichlids Import que vous connaissez. Je vous l'ai présenté dans un précédent unboxing. Je vous renvoie vers cette vidéo, donc unboxing Cichlids Import pour l'aquarium à combattants. Ils sont franchement, je pense, en vente de matériel vraiment les moins chers en termes de boutique. Après, je peux me tromper, mais j'ai ratissé les boutiques francophones en aquariophilie et c'est clairement pour moi les moins chers de ce que j'ai vu. Évidemment, à qualité égale pour les mêmes produits, mais c'est flagrant, je vous assure. Hein. Des fois, tu as 20-30% de réduction en tarifs normaux par rapport aux autres site, c'est flippant. Je vous renvoie vers ce site, je le mettrai en descriptif de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut? La première étape pour quand vous faites un aquarium, avant même de penser à la cuve en elle-même, c'est-à-dire au bac, à l'aquarium si tu veux, il faut penser à l'endroit où tu vas le poser. Il faut toujours le poser sur une surface bien plane. Ici, regarde, il va être dans le salon avec donc entre deux plantes. Là, il va être méga bien. Il faut que ça soit à l'abri du soleil direct, toujours. Pourquoi? Parce que le soleil direct sur un aquarium, ça va être une génération d'algues et de montée de température, mais que des trucs négatifs en réalité. Donc, on évite le soleil direct toujours. Là, je vous ai donné que les deux plus gros problèmes qu'il peut y avoir avec le soleil direct. Il y en a bien d'autres évidemment. Une fois que ces points sont réunis, il faut qu'il soit dans une pièce tempérée si possible. Bien que là, le bac sera équipé d'un chauffage. Donc, je vous renvoie vers la vidéo unboxing hein, où je vous ai présenté les produits et tout pour voir les produits en détail. Je vous les remontrerai après vite fait. Il faut que la pièce soit relativement tempérée pour éviter que le matériel soit toujours en surchauffe. Surtout si c'est un aquarium chauffé. Si c'est un aquarium qui n'est pas chauffé, faites très attention où vous mettez l'aquarium. Parce que si c'est par exemple dans ton garage et que c'est des poissons qui ne supportent pas les températures, par exemple en dessous de 20, là, tu es en train de faire souffrir ton animal. Donc, on veille à le mettre si possible dans une pièce tempérée, en gros en conformité avec les besoins de l'animal avec lequel tu mets. Évidemment, si tu as des poissons rouges et que tu as un aquarium immense de 1000 litres, tu peux le laisser dans ton garage étant donné que les poissons, si ça gèle pas évidemment, parce que sinon gèle et aquarium, ça fait pas très bon ménage en général, mais même un poisson rouge peut rester à l'année dehors, donc il n'y aura aucun souci à la chose. J'espère que par rapport à ce point-là, c'est clair. Une fois que ce point, donc de l'endroit où tu vas le mettre, effet, alors veille à ce que le support sur lequel c'est posé, ça soit très costaud et très plat. Quand je dis très costaud, c'est qu'un aquarium peut peser le double de son poids en eau. Oui. Alors souvent, il y a des remarques qui disent, ah, mais comment c'est pas possible? 1 litre d'eau égale 1 kilo. Ok, mais en fait, la roche est beaucoup plus lourde que l'eau. Et il y a d'autres. Le gravier aussi est plus lourd que l'eau, c'est-à-dire à la densité que tu mets dedans. Bah, si tu veux, on fait un exemple. Si tu veux, remplis ton aquarium de roches, de pierres d'ardoise par exemple, et remplis-le d'eau. Tu verras que le dos, tu vas avoir du mal et l'ardoise, tu pourras pas le soulever. Si tu cales bien que tu remplis tout au maximum. Donc voilà, ça peut peser vraiment. Alors, et surtout, les aquariums, quand ils sont vraiment aquascapés, donc avec des hardscapes remplis en minéraux, tu sais, en grosses pierres et tout, alors là, laisse tomber, ça peut peser très très lourd. Hein. Des fois, un aquarium de 100 litres peut peser, je sais pas moi, 150 kilos ou 200 kilos facile, hein, je vous assure. Hein. Donc, on veille à ce que ça soit solide et plat. On veille à poser entre l'aquarium et le support un tapis. Un tapis spécial, donc soit je vous mettrai en descriptif de vidéo si vous voulez, ou alors un tapis spécialement adapté aux aquariums. Tu peux aussi mettre du polystyrène ou ce que tu veux pour éviter les écarts thermiques et les déformations. Alors il se peut que ton meuble, même s'il est droit droit, il soit pas tout à fait droit, et là ton aquarium avec le poids qu'il y a dessus, ça peut se distordre et ça peut casser au bout d'un moment en serrant un peu sur les joints. Là, dans le cadre d'un nanobag de ce type-là, il n'y aura pas trop ce problème-là. Au niveau du matériel, alors il va vous falloir un aquarium. Alors pour un combattant, alors c'est un poisson qui est avec lequel il y a souvent, on va dire, des rumeurs, des choses vraies, des choses fausses, on ne sait pas trop. Certains disent que ça peut vivre dans un verre d'eau, d'autres disent que ça a besoin de 50 litres. J'ai envie de te dire, faut pas trop aller dans les extrêmes. Il peut survivre dans un verre d'eau et il peut survivre aussi dans un grand aquarium. En fait, on le met plutôt dans des. S'il faut définir un litrage idéal, pour ma part, après évidemment, tu vois, alors la première chose qu'il faut dire, c'est que l'aquariophilie n'est pas une science exacte. Donc le mec qui te dit c'est comme ça et c'est pas autrement,
C'est faux, ça n'est pas réaliste, ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être comme ça et je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas une science exacte. Alors il faut savoir que les combattants que vous allez trouver dans le commerce, 99,9% des poissons que vous allez, combattants que vous allez avoir, ce sont des combattants issus d'élevage, donc des Betta splendens croisés et qui sont issus d'élevage, avec des nageoires carrément disproportionnées par rapport à leur état naturel. D'accord? Donc en gros, dans la nature, le combattant, il existe, mais il a des nageoires beaucoup plus petites. Il garde les mêmes aptitudes de labyrinthidé, c'est-à-dire qu'il est capable d'être dans peu d'eau et d'arriver à respirer via un système de labyrinthe qui est dans son cerveau et qui lui permet de s'oxygéner. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus, mais en gros, c'est ce qui lui permet, je vous renverrai, allez vous chercher sur Internet, vous trouverez facilement, mais c'est ce qui lui permet de survivre dans des petites flaques d'eau, par exemple, à l'état naturel. Les combattants, on les a, si tu veux, sélectionnés dans la nature, on les a fait se reproduire entre eux en gardant les plus beaux spécimens, jusqu'à arriver à des combattants comme vous les connaissez maintenant avec des nageoires immenses. Mais le combattant que tu vas acheter dans le commerce n'a plus absolument plus rien à voir avec le combattant que tu trouves dans la nature. Tu vas dans Google, tu tapes combattant sauvage ou Betta Splendens sauvage, tu verras que ça n'a rien à voir avec ce que tu trouves dans les commerces. Bien que tu puisses en trouver, mais c'est méga rare de trouver des combattants un peu genre naturels. Franchement, c'est dur à trouver. Alors, donc, juste pour vous dire, le combattant qu'on trouve, il n'existe pas vraiment dans la nature. Donc comment tu peux définir ses besoins par rapport alors qu'on a créé un animal issu pour nos beaux yeux? Alors à savoir que ça vient de la Thaïlande et que c'était utilisé pour des combats. Donc c'est à la base, hein, je vous dis. Donc il sélectionnait les plus beaux spécimens avec des belles nageoires et tout. Il se les faisait se provoquer entre mâles. Parce qu'en fait, quand tu mets deux combattants ensemble, bien souvent, ça se termine par la mort de l'un des deux, voire les deux en même temps. Hein, donc on ne joue pas à ça. Donc dans ton aquarium à combattants, tu vas pouvoir avoir un seul combattant et dans certains cas un combattant avec plusieurs femelles et dans certains cas un combattant avec des crevettes, mais j'en parlerai peut-être plus tard, enfin j'en parlerai plus tard plutôt. On va revenir donc au matériel qu'il faut. Donc en fait, si j'expliquais tout ça, c'est pour vous dire que certains vont dire, écoute, un combattant dans 10 litres ça marche super bien. Bah c'est vrai, hein, j'ai envie de te dire, c'est vrai, ça peut marcher très bien dans 5 litres aussi, remarque, bien que ça commence à être un petit peu difficile quand même, je trouve. En tout cas, quand tu observes l'animal, tu sens des signes de non-épanouissement total, j'ai envie de te dire. Alors c'est vraiment une question de sensibilité, donc encore une fois, mes propos n'ont pas de grande valeur, ou en tout cas pas plus que ceux qui disent qu'il est heureux ou pas heureux. Donc c'est juste une question vraiment de ressenti. Donc disons que pour trancher la poire en deux, pour qu'un combattant soit bien, dans un aquarium de 20 litres à 30 litres, c'est vraiment le top. Quand tu mets trop grand, en fait, comme vous avez vu, c'est des poissons, c'est pour ça que j'avais insisté un peu sur la définition, c'est des poissons qui ont des difficultés à nager, en fait, à cause de leurs grandes nageoires. On a sélectionné des poissons avec des nageoires de plus en plus grandes, du coup, ils ont du mal à nager et du coup dans un grand grand bac il va avoir de la difficulté, surtout si le bac est en hauteur. Évidemment, c'est la hauteur qui va le fatiguer le plus, tu vois ce que je veux dire. Donc un aquarium de 20 à 30 litres, t'as pas à te poser de questions. Je dirais que pour trancher, l'aquarium idéal pour un combattant, c'est un aquarium de 20 à 30 litres. Là ici il fait 25 litres à ma connaissance, de ce que je sais. Truc méga important les gars, avec un combattant il va falloir un éclairage pas très puissant. Si vous n'avez pas un éclairage pas très puissant, mais qui au contraire est puissant, il va falloir mettre plein de plantes flottantes. C'est ce que je vais faire dans ce bac-là. Il va falloir avoir un filtrage de très faible puissance. Donc moi, dans le filtre, il n'y aura rien du tout. Ça va juste servir à brasser l'eau, parce qu'il faut toujours brasser l'eau pour homogénéiser l'eau, même si vous faites un aquarium naturel comme ici. Donc voilà, donc il a besoin d'une filtration légère, ça tombe très bien, parce qu'il est justement pas très fort en nage, et du coup, il risque de s'épuiser s'il y a trop d'eau, enfin, s'il y a trop de mouvement dans l'eau. Donc il faut pas trop. Par contre, l'élément qui est indispensable, si vous avez un combattant, c'est le chauffage. Un mini chauffage de ce type-là, c'est absolument parfait. Vous allez sur la boutique Cyclides Import, vous le trouvez, il n'est pas très cher, franchement, prix imbattable et c'est tout petit, c'est discret. Pourquoi un chauffage? C'est un poisson qui vient des eaux chaudes, enfin qui vient d'un pays chaud, qui est sélectionné, même si c'est un produit, c'est pas un produit, même si c'est un animal de sélection, c'est un animal qui est sélectionné, mais avec de l'eau très chaude. Donc de l'eau qui fait, allez, 27, 28. Ne descendez jamais en dessous de 25 degrés pour un combattant, sinon, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va tout doucement aller de péricliter, malheureusement, alors je vois pas d'autres mots, donc il va aller de moins en moins bien, tomber malade, perdre ses nageoires, attraper des maladies, finalement mourir. C'est un poisson qui n'a pas une très très longue espérance de vie en plus, donc on évite de le maintenir dans de mauvaises conditions, donc il faudra que l'eau soit chauffée. L'autre particularité de ce poisson, c'est que c'est un sauteur sans nom. Le truc, c'est capable de sauter, et il y a bien des éleveurs qui retrouvent leur combattant posé par terre et tout sec, enfin voilà, ils se disent, purée, il a sauté, voilà, parce qu'ils viennent à la fin d'une journée, le poisson a sauté. Alors,
J'ai plusieurs combattants sans couvercle, les gars. Moi, dans mon cas, j'avoue, j'ai eu cette chance-là. Les aquariums n'étaient pas couverts. Par contre, j'étais jamais vraiment rassuré. Hein. Tu vois, je mettais jamais l'eau à fond en haut. Je mettais toujours, tu vois, je descendais pas trop en haut parce que voilà, ils ont la saute facile. Il suffit qu'ils voient une petite mouche parce que c'est des grands prédateurs. Ils veulent l'attraper ou quoi. Ils sont capables de sauter. Donc, on fait attention. Donc, on prévoit un couvercle. Donc là, un aquarium de ce type, bord arrondi, c'est franchement méga, méga élégant, je trouve, avec un couvercle. Même si c'est un couvercle, voilà. Discret et petit, hop, il faut prévoir un couvercle. Voilà pour le matériel, c'est tout. Donc il fallait dire tous ces points. Là, le chauffage, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre à la sortie du filtre. Pourquoi? Pour des raisons évidentes de brassage d'eau en fait. Hop, 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 on le met là. C'est parti. Là, regarde, il est tout petit, tout discret. C'est parfait, regarde. Au niveau technique, t'as que ça. Avec les plans qu'il y aura devant, on verra rien du tout. L'avantage du filtre cascade, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, c'est que ça occupe quasiment pas de place à l'intérieur de l'aquarium. T'as juste une pipette. Donc, dans le cas d'un nanobag comme ça, c'est absolument parfait. Pour les amateurs de low-tech, no-tech, vous pouvez aller jusqu'à une prise minimum si vous avez un combattant, laquelle? Celle du chauffage. Il faudra un chauffage minimum. L'éclairage, si tu as des végétaux qui sont pas très demandeurs de luminosité, vraiment, qui se contentent de très très peu de luminosité, tu peux ne pas avoir d'éclairage, c'est possible. Il faudra quand même que la pièce soit plutôt lumineuse, très lumineuse, pour quand même leur apporter un minimum de luminosité, ça c'est à vous de voir. Tu peux aussi vraiment te passer d'un... Certains arrivent à se passer, si tu veux, d'un brasseur d'eau. Bon, écoute, certains arrivent à le faire. Moi, pour ma part, j'évite. J'ai réussi à maintenir plein de poissons sans que l'eau de brassage soit faite. Je vous dis la vérité, ça marchait super bien, mais j'ai quand même constaté que quand l'eau est brassée, il y a des résultats meilleurs en croissance de végétaux, en tout, en fait. Vraiment, un brassage léger. Un petit peu comme dans la nature, ça bouge un tout petit peu et là franchement c'est le top top. Et voilà, par contre le chauffage, vous ne pourrez pas vous en passer. Une fois que ces éléments matériels sont réunis, il va falloir attaquer un point qui est méga, méga, méga important. Le sol. Le sol va vous permettre de déterminer les végétaux que vous aurez par la suite. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre un sol dans la rivière, alors veillez à ce qu'elle ne soit pas polluée évidemment. Et là, voilà, en fonction, si, et là, ça vous permettra d'avoir, on va dire, une grande quantité de végétaux. Par contre, si vous mettez un sol avec un substrat, si tu veux, si tu mets un substrat composé qui est riche, tu vois, là, tu vas pouvoir te lâcher et avoir quasiment tous les végétaux, sauf si ceux-ci ont besoin de beaucoup de luminosité, encore une fois, comme je l'ai dit, parce que là, ça sera bloqué par les plantes flottantes, ou qui ont besoin de CO2. Pour le gravier, comme je vous l'avais dit, il faut privilégier du gravier de couleur sombre. Vous pouvez mettre du blanc, par exemple, dans ce cas-là, mais il n'est pas blanc-blanc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il est mélangé avec plein plein d'autres couleurs, quoi. Tu vois, donc du teint gris et tout, et avec un petit mélange d'engrais. Donc en fonction des végétaux que tu veux. Donc là, ça sera parfait. Donc, vous pouvez prendre et hop, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Une fois que vous avez disposé votre gravier, je vous recommande fortement de bien, bien, bien l'humidifier pour mieux planter les plantes. Pour l'eau, on est dans un vaste débat. Je ne veux pas trop rentrer dans les débats. Comme vous le savez, je suis un adepte de l'aquariophilie naturelle et donc je privilégie au maximum l'eau de pluie. Malheureusement, je n'en ai pas à ma disposition. Je vais donc utiliser de l'eau osmosée. Je vous renvoie vers ma vidéo avec mon osmoseur dans lequel je vous présente mon osmoseur. C'est un petit osmoseur Tunes qui produit une eau vraiment d'une qualité exceptionnelle. Dans tous les cas, je vous déconseille vivement l'eau du robinet pour plusieurs raisons. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes pour comprendre pourquoi. Mais en tout cas, voilà, vous privilégiez l'eau osmosée ou de l'eau de pluie. L'eau osmosée, vous en trouvez en magasin. Soit vous la payez vraiment pas très cher. Hein. Vous y allez avec un bidon. De toute façon, là, c'est des nanobacs, donc avec un bidon alimentaire. Voilà. Et puis vous ramenez votre eau osmosée, ça coûte pas très cher. Ou dans certains animaleries, dans certaines animaleries ou aquarium, magasins d'aquariophilie, ça peut même être gratuit en fonction des horaires. N'hésitez pas à leur demander. Ou sinon, vous vous procurez comme moi un osmoseur et comme ça, vous êtes tranquillou. Le choix des végétaux est méga important, c'est primordial pour un aquarium à combattants. Alors évidemment, je vous dis ça, mais il y a des gens qui élèvent des combattants dans des bouteilles en plastique. Donc ils coupent la tête et puis ça marche super bien. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord privilégier la qualité de l'eau. Vraiment, c'est un des éléments principaux. C'est ce que j'ai vraiment retenu moi en toutes ces années d'aquariophilie, la qualité de l'eau est primordiale. Donc vraiment, c'est l'élément de vie du poisson. Voilà. Donc on y va. Donc là, c'est tous les végétaux que j'ai là,
que j'ai choisi. Je vous renvoie à ma vidéo unboxing, donc ils viennent tous de Flore Aquatique. Voilà, c'est des végétaux de grande qualité. Les conditions de livraison sont vraiment top et on a des produits qui sont quand même, j'ai envie de te dire, exceptionnels d'un côté ou en tout cas irréprochables. Ça, c'est clair et net. Allez, je vous ouvre tout ça. Ok, les amis, vous êtes toujours très nombreuses et nombreux à me demander quelles plantes je mets, quels sont leurs noms, leurs espèces et tout. Donc, je vais vous les préciser. Donc, je vais mettre une Échinodorus, mais pas n'importe laquelle. Regarde celle-là, comment elle est magnifique. Elle nous fait même une petite fleur. C'est une. Regarde le nom, hop. Cordifolius ovalis. Donc, c'est pas une Échino basique non plus. Ça, je peux pas vous dire que c'est basique. Et là, alors, cette petite plante chouchoute. Je vous l'avais présenté, c'est pas de la cabomba, c'est pas de l'échino, c'est pas. Elle est franchement une sorte d'hybride entre plusieurs plantes. Hop là, je vous laisse prononcer le nom. Kismatoglottis piétois. Du ceratophyllum. Alors, ça, c'est un truc, c'est une plante qui pousse à tous les coups. Voilà. Donc là, les plantes, malheureusement, j'ai pas pu les sortir tout de suite de leur boîte. Ça va faire une semaine qu'elles sont dans le plastique et elles tiennent quand même super bien. Voilà. Et de la cabomba. Alors la cabomba, c'est une plante qui est absolument magnifique. Vous allez voir quand le bac sera fini, quand c'est déployé dans l'eau. Alors c'est pas la Caroliniana, le truc de base. C'est la, hop, la Palea formis. Ça, c'est une espèce qui est franchement un peu plus raffinée, moi je trouve. Après, ça passe nickel aussi. Hein. Voilà. Après, et donc, hop, la Bucephalandra. Donc, c'est magnifique ça, franchement, comme végétal, c'est vraiment super beau. Brownie. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les plantes qui vont occuper le bac. Après, pour les plantes flottantes, je verrai. Je vais me décider après, on verra après, je vais voir avec madame. Parce que c'est son bac, comme vous le savez. Donc, je vais lui demander ce qu'elle préfère. Les plantes flottantes, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez, du moment qu'il y en a plein, plein, plein. D'accord? Et ça, c'est ma chouchoute, je vous en parlerai après. J'ai envie d'en faire une vidéo juste pour elle, quoi. C'est trop, trop beau. Lomariopsis lineata. C'est franchement une fougère absolument magnifique. Elle a une tête d'algue, mais elle est trop trop belle. Allez, je plante tout ça. C'est parti. Amis, après, vous regardez un petit peu la taille des végétaux. Bah, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez les plus petits à l'avant-plan et les grands à l'arrière-plan, en prenant compte évidemment de la taille que ça va faire quand c'est adulte. Donc là, hop là, moi je vais mettre celle-là ici. J'ai dû rajouter un peu de gravier, vous avez vu. Donc pour les plantes. Hop, certaines plantes, vous allez pouvoir les mettre avec la main et d'autres, je vais vous montrer tout à l'heure. Hop, vous allez devoir utiliser. Hop là. Les racines, vous pouvez les raccourcir. Je vous ai déjà montré dans des vidéos où je les raccourcissais ou pas. Oh, ça, c'est vous qui voyez. Ça. Certains raccourcissent, comme moi, je l'ai beaucoup fait. C'est pas mal aussi. Ça permet une reprise plus rapide. Voilà, ça permet au végétal de reprendre plus rapidement. Hop là, voilà, ne vous inquiétez pas, la gadoue qu'il y a là, ça va disparaître. En fait, c'est un gravier que j'avais déjà utilisé, du coup, il est plein, il est chargé de bactéries. Et là, hop là, pour ce qui reste, bah, je vais devoir prendre, hop là, je vais devoir prendre ma pince. Voilà, les amis, là, on peut voir déjà l'allure que ça va avoir. Hein. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Arrière-plan, avant-plan, on voit déjà quand celle-là l'aura tout colonisé. Alors, s'il y a un outil que vous devez avoir, c'est absolument une pince, je vous assure. En aquariophilie, ça peut paraître bizarre, mais moi, en tout cas, pour ma part, j'utilise beaucoup plus ma pince que mon épuisette, par exemple. Alors que tu te dis, j'ai des poissons, tu vois. Et bah ouais, la pince, c'est franchement, ça va vous servir à plein de choses. Aller attraper des trucs que vous pouvez pas avoir d'une autre manière, enfin, qui sont loin, compliqués d'accès. Les cabombas, je vais les mettre. Ah, finalement, non, les cabombas, celle-là, je vais la mettre là. L'échinodorus, je vais la mettre là plutôt. Et les cabombas là. Parce que sinon, elles risquent d'être poussées avec le filtre. Ou alors, je mets le filtre là. Ah bah non, c'est parfait. Je vais mettre le filtre là. Et les cabombas là, c'est parfait. Et voilà les magnifiques cabombas. Hop là. Voilà, on les pique, c'est facile. Hein. Tu vois, tu les piques comme ça. Hop là. Alors, voilà, elles sont vraiment très très belles. Je ne sais pas si je vais toutes les utiliser. Je vais voir. Parce que ça pousse bien ces trucs-là. Il faudra les tailler régulièrement si tout se passe bien. Hop là. Tu vois comment je fais? Voilà, et tu la piques. Tu laisses 2 petits centimètres entre chaque. 2-3, même plus, hein, parce que tu vois le temps qu'il y ait les feuilles, tu vois la largeur des feuilles. C'est ce qu'on appelle des plantes à croissance rapide. En fait, quand vous faites un aquarium, c'est bien d'avoir des plantes à croissance rapide. Pourquoi croissance rapide, en fait? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit croissance rapide, si la plante elle pousse beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle mange beaucoup. Si elle mange beaucoup, qu'est-ce que ça mange une plante? Eh bien, ça mange tous les éléments négatifs d'un bac, on va dire ça. Enfin, ou beaucoup que des éléments négatifs d'un bac. Donc, en gros, ça filtre l'eau. Voilà. Donc, les plantes qui poussent rapidement, eh bien, ça va consommer les matières négatives de votre
aquarium. Donc vous pouvez y aller quoi. Au niveau de la Ceratophyllum, vous pouvez le voir comme celle-là, on peut voir. Hein. Ça se plante ou ça se laisse flottant. C'est vraiment vous qui voyez. La majeure partie des gens les utilisent en flottante. Moi, j'aime bien en prendre une ou deux et les mettre, voilà, et les planter. J'en plantais une et les autres, je les laissais en flottante. Tiens, je la mets par là. Voilà. Tac, juste pour voir, vous allez voir, c'est vraiment cool comme plante. De toute façon, si elle se plaît pas, si elle fait pas de racines, vous allez voir que de toute façon, en fait, si tu la laisses flotter, elle sera belle de partout. Si tu la plantes, tu vas voir qu'elle va faire des racines au niveau de la terre. C'est franchement bien bien fait. Méga, méga important, vous ne plantez pas si vous n'avez pas un vaporisateur sous la main parce que ça sèche très très vite. Hop, on y va et on vaporise. On vaporise pour pas que les plantes se déshydratent. Sinon, ça serait une catastrophe. Si elle sèche, vous vous rendez compte. Là, vous aurez perdu tout le fruit de votre travail et la somme que vous aurez investie en végétal. Donc, on humidifie bien. Voilà. Et là, on peut continuer sa plantation tranquillou. Alors, quand vous remplissez votre aquarium, pas de panique s'il est de cette couleur-là. Vous vous inquiétez pas, ça va très vite changer de couleur. Vous pouvez utiliser un outil pour donner un petit peu de ce type. Là, ça vient de JBL. Je vous mets en descriptif de vidéo tous les produits que j'utilise. Voilà, vous pouvez hop, modeler un petit peu. Si tu vois pas trop, tu attendras un petit peu que ça soit terminé. Vous pouvez l'utiliser avant, hein, avant la conception du bac. Là, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Et là, même si là, on voit peut-être pas trop à la vidéo, vous allez voir très vite, on verra. Dans les jours qui suivent, ça va être un truc de ouf. Alors, hop! Voilà. Tac. Et là, un petit peu de ma touch de cette super plante. Voilà. Là, hop, on en met un tout petit peu comme ça. Je la fais couler là. Voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment classe. On va la laisser tout doucement couler. Et vous allez voir comment c'est. Ça, c'est vraiment génial. Hop, alors attends. On va prendre un petit peu. Ok. Aussi, tac. Voilà. Voilà, on la laisse couler tranquillou. Et voilà, et ça a une couleur, mais d'un vert. Là, on voit pas trop. Donc, allez, rendez-vous dans quelques jours. Ah oui, j'ai oublié de vous donner un point très important. Il faut vous procurer un programmateur, un programmeur pour couper et allumer l'électricité. Voilà. Si vous utilisez un filtre non, traditionnel, donc avec des matières filtrantes, donc si vous utilisez un filtre tout simplement, il faudra laisser le filtre allumé 24 heures sur 24. Et quand vous le changerez, vous retirez les matières nettoyantes, vous prenez un peu d'eau de l'aquarium et vous les nettoyez dedans et vous remettez après les matières du filtre. Qui sont contenus dans le filtre, dans le contenant, donc dans le filtre. Si vous utilisez et donc il faudra le laisser tout le temps allumé, mais l'éclairage enfin et le chauffage aussi d'ailleurs tout le temps allumé. Par contre l'éclairage voilà lui devra s'allumer. Allez, c'est à vous de voir en fonction de l'exigence des végétaux que vous allez mettre et tout. Pour ma part les gars, alors je pourrais vous dire comme Monsieur Tout le Monde fait, allez on éclaire entre dans les 10 heures par jour. Moi j'éclaire allez franchement allez 5 à 6 heures par jour et les végétaux sont vraiment vraiment de très bonne qualité. De toute façon vous allez ajuster en fonction du végétal. Quand même en aquariophilie dite naturelle, donc vous allez laisser la filtration se faire plus par les plantes et vous laissez les bactéries se développer un peu partout. Je ne vais pas pouvoir parler maintenant malheureusement trop parler des bactéries dénitrifiantes, mais en gros quand tu choisis de faire de l'aquariophilie naturelle, les bactéries dénitrifiantes au lieu d'être toutes concentrées au même endroit, d'en avoir plein 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 dans le filtre, elles seront un peu partout. Donc du coup ça présente l'avantage que le filtre va s'allumer et s'éteindre en même temps que l'éclairage. Du coup par exemple si c'est dans une chambre à coucher, bah tu n'entends pas le filtre la nuit. Par contre le chauffage devra être allumé tout le temps. Donc là où est le chauffage, ça va chauffer un peu plus que dans les autres endroits vu que ça sera pas brassé, ça n'est pas grave. Dans la nature de toute façon la nuit il y a toujours une baisse de température par rapport à la journée. C'est comme ça quand il y a toujours mou quasiment tout le temps. C'est voilà, c'est le soleil qui chauffe l'eau. C'est rare que ça soit autrement. Ça peut arriver, attention, que l'eau soit chauffée d'une autre manière que par le soleil, mais néanmoins, juste pour vous dire que c'est une valeur, je dirais pas constante, mais quasiment constante, que la température dans la nature baisse la nuit. Donc, il y aura, en gros, vous inquiétez pas, les gars, il y aura pas de souci pour votre combattant, le fait que le chauffage s'éteigne la nuit, du moment que ça descend pas en dessous d'une température importante, en dessous des 25 degrés minimum. 48 heures plus tard, qu'est-ce que ça donne? À peu près. Hein. Voilà. Donc là, le filtre réglé au minimum. Voilà, pour que ça fasse un petit brassage d'eau très léger. Là, il y a quelques petits sédiments sur les feuilles, ça vous les secouez un petit peu. Et voilà. Donc rendez-vous quelques temps plus tard encore. C'est pas quelque chose dont je suis méga fan enfin tous ces produits ammonia, enfin anti bactéries, tout ça, parce que je préfère laisser les cycles naturels se faire.
Néanmoins, il faut introduire rapidement le poisson. Là, le poisson, il s'appelle Kitai. Il a absolument besoin de son, enfin, il a besoin de son bac chauffé très très rapidement. Donc là, on va un petit peu booster les choses. Hop là. Donc c'est un produit. Voilà. Qui en tête, je vous dirai après ce que j'en pense. Je le mettrai en descriptif de vidéo, comme ça vous pourrez vous le procurer. Donc là, je vais mettre pile poil la dose. En gros, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas non plus la fin du monde, hein, quasi. Enfin, beaucoup, beaucoup d'aquariophiles utilisent ça, pour pas dire la majeure partie, enfin, quand tu fais des aquascapes et tout ça. Parce que ça permet un démarrage du bac plus rapide. En gros, c'est juste des grosses, grosses, grosses bactéries. En gros, quand tu injectes ça, tu vas diffuser, ajouter à l'aquarium plein, plein, plein de bactéries. D'un coup, comme ça, elles vont tout coloniser très, très rapidement. Vous laissez le filtre tourner et les bactéries, après, vont tout coloniser le sol, les plantes, les masses filtrantes de vos filtres si vous en mettez. Donc, c'est un produit, voilà, à ne pas négliger. Il y a différentes marques. Bah, là, aujourd'hui, hop, on teste celui-là. Alors, c'est pas indispensable, je le précise bien. Si vous les mettez pas, si vous ajoutez pas des bactéries, il y aura des bactéries qui vont se créer naturellement dans votre aquarium. Ne paniquez pas. Pour déclencher ces bactéries, tu peux prendre par exemple de la nourriture de poisson que tu fais couler, ça va pourrir, etc. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rajouter un élément en décomposition dans l'eau, une feuille. En général, tu as toujours des composants qui vont permettre le développement bactérien dans un bac, une feuille morte ou des trucs comme ça. Mais sinon, tu peux accélérer un petit peu le processus en faisant, voilà, le truc le plus propre, on va dire, c'est vu que en général, on met des poissons dedans ou des crevettes, tout ce que tu veux, tu fais couler un petit peu de nourriture. Ça va donc déclencher, si tu veux, le premier pic qui va créer, qui va forcer les bactéries à se démultiplier. Donc en gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça peut très bien fonctionner sans ajouter de bactéries. Les bactéries, elles seront déjà là, elles vont se créer automatiquement. La nature est vraiment bien faite. Néanmoins, si tu es dans une configuration comme la mienne, ou enfin comme la nôtre, où tu dois booster le développement bactérien qui va te permettre d'accélérer le cycle de l'azote, n'hésite pas à rajouter des bactéries. Voilà, c'est des produits plus que connus. Un truc méga cool. Ah ouais, alors en fait, pour ceux qui se posent la question, alors voici une partie du voilà. Donc j'en ai un peu partout. Il y a beaucoup de matos quand même des fois. Alors faut pas croire que c'est forcément du matos payant. Regarde, fruits d'aulne. Là c'est ma petite réserve de fruits d'aulne. Je vais en prendre quelques-uns. Alors très important, les fruits d'aulne. Comme là vous pouvez voir. En fait, ils vont servir à baisser le pH et à tamiser l'eau. C'est très important. Pourquoi je parle de fruits d'aulne? Beaucoup de personnes qui vous font du combattant te diront qu'il faut mettre des feuilles de catapa. Chose qui est vraie, c'est très bien de mettre des feuilles de catapa. En plus, ça ressemble vraiment à leur environnement d'origine. Néanmoins, on est en France. Franchement, les fruits d'aulne, ça fait vraiment l'affaire par rapport aux feuilles de catapa. Ça aura les mêmes vertus. Alors évidemment, pourquoi? Bah déjà c'est gratos, tu peux t'en procurer, voilà, tu trouves des aulnes un peu partout en France. T'as juste, alors ne confondez pas avec des pommes de pin, hein. C'est pas des petites pommes de pin, ça ressemble, mais c'est pas des pommes de pin, c'est des fruits d'aulne. J'en ai fait une vidéo spéciale, ou sinon je vous renvoie vers mon blog, pascalaquariumnaturel.com, dans lequel j'explique les choses, ces choses-là. Les feuilles de catapan, en fait, quand tu les fais venir de loin, d'Indonésie ou d'où tu veux, de Thaï, bon, ça vient de plein d'endroits. Quand elles arrivent en France, alors il faut que ça passe, ça prend le bateau. Enfin, ça, je veux dire, il y a une empreinte carbone qui est immense, alors qu'on a tout ça à disposition et gratos. C'est vrai que de nos jours, les feuilles de catapa, tu peux les avoir pas cher, c'est vrai. Il fut un temps où j'aurais pu te donner l'argument de te dire ouais, ça coûte cher les feuilles de catapa. Là, de nos jours, c'est plus vrai. Tu peux trouver des feuilles de catapa vraiment pas chères. Néanmoins, voilà, on va rester dans, restons français là-dessus. Voilà. Allez, donc alors, pour les mettre, tu vas avoir la possibilité de les mettre directement dans l'eau. Si tu les mets là, bah, elles vont se dégrader tout doucement et ça peut faire un peu un aspect un peu crada. Et puis quand ton eau sera suffisamment tamisée pour les retirer, ça peut être un peu relou. Ce que je vais faire, moi, je vais les mettre dans la décante du filtre externe, juste là, donc c'est tout facile. Je vous montre ça tout de suite. Alors au début, elles flottent. Là, tu vois, regarde, elles sont à la surface. Alors attends, faut pas que je soulève trop vite. Ouais, si c'est bon, tu vois, elles restent à la surface. Elles vont très très vite couler. Hop là, alors je vais pas faire une vidéo spéciale catapa, hein, mais bon voilà, elles vont très vite couler au fond de la décante et l'eau va se tamiser. Faut coucher pas, on va voir, ça peut être quelques heures comme un jour ou deux. Ça va vraiment dépendre de. Voilà, par contre, alors attendez, faites bien attention, donc je vous renvoie vraiment vers le blog, vers l'article en question. Tu taperas dans la recherche feuilles pour aquarium ou tout. Ah, je l'ai même mis en. Non, non, j'en ai une vidéo. J'en ai une vidéo, donc vous pourrez aller sur mes vidéos, vous irez dans les différentes playlists ou dans les vidéos que j'ai sorties sur les feuilles en aquariophilie. Et voilà, ah, bah, il y en a déjà une qui a coulé.
En fait, il faut vraiment veiller à ce qu'elle soit très 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 bien sèche. Voilà. Là, il s'est écoulé à peu près 24 heures, l'eau elle est bien bien tamisée. Alors, je suis désolé pour ceux qui préfèrent avoir une eau méga limpide, une eau méga transparente, translucide et tout. C'est pas l'eau idéale pour votre combattant, c'est ce type d'eau-là. Donc, vous pouvez vous rincerez les yeux si vous voulez, mais c'est pas ce que préfère le combattant. Voilà, là on essaie de constituer un biotope. Je mets bien entre guillemets un biotope parce que c'est pas tout à fait les végétaux qu'il y a dans la nature. Et puis, le combattant, est-ce que c'est vraiment un poisson naturel? Ça, c'est encore un autre débat. Mais on va dire, on va essayer de reconstituer donc un environnement un peu tamisé avec des paramètres d'eau qui vont convenir au combattant. Donc ensuite on y va. Alors là pour les plantes flottantes vous pouvez y aller vu qu'en fait il n'aime pas trop la lumière trop vive. Donc là l'eau étant tamisée, hop, vous pouvez rajouter au final les plantes flottantes que vous voulez. Donc elles viennent toutes de flore aquatique parce que je sais que alors là vous avez vu c'est de la laitue d'eau, ça peut devenir immense, 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 immense. Là il y a différentes sortes. Je vous renvoie vers la vidéo unboxing flore aquatique. Donc là vraiment c'est des plantes qui sont au top de top de top. On va introduire le poisson. Alors, au niveau des plantes flottantes, j'ai mis ça va suffire largement étant donné que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup se démultiplier. Voilà, vous pouvez ajouter des détritivores aussi de type escargot. On évite les crevettes. Alors, j'ai envie de, limite, je pourrais te faire crevettes combattants. Comment ça marche? Alors, c'est possible. Alors, évidemment, c'est possible. Certains te diront que c'est possible, d'autres diront que c'est impossible. En fait, les deux ont raison. Pourquoi? Alors, pour que ça marche, en général, il faut que tu aies d'abord un aquarium à crevettes. Et une fois que tes crevettes sont dans le bac, qu'elles sont bien implantées, qu'elles se sentent bien, là, tu peux introduire ton combattant. Et là, quand tu fais cette configuration de ce type-là, quand tu fais une config de ce type-là, la probabilité que ton combattant strike tes crevettes est largement réduite. Par contre, si tu as un combattant qui est déjà en place, qui est habitué à manger tout, et tu lui mets des crevettes, là, la probabilité qu'elle survive me semble très mince parce qu'il ne va pas arrêter de les chasser. Quand vous introduisez les végétaux, voilà, vous attendez un petit peu, sachant que là, ils ne sont pas au top de leur forme. Ils sont vraiment, vraiment au top, je pense, dans 2-3 semaines. Et là, ils seront vraiment 10 fois plus beaux que ce qu'ils sont maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah non, 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 bah, attends, attends, il manque un truc. L'introduction du combattant. Là, vous pouvez y aller. On peut enfin introduire Kitaï. Introduction du combattant Kitaï dans sa nouvelle maison. Et voilà. Le combattant de ma femme dans l'aquarium de ma femme que j'ai fait juste pour elle.